Eh bien bonjour tout le monde, c'est Cross83 aujourd'hui pour l'épisode 13 de notre aventure sur The Lactucienne Journée. Donc on se retrouve, j'ai enchanté tout de suite là le longbow, donc Power 4, vous imaginez la puissance qu'il pourrait avoir. Il est beaucoup plus puissant à mon avis. Donc du coup ça va être cool, j'ai fait un petit rangement, je me suis préparé, j'ai fait des potions, j'ai juste fait les potions actuellement. Et je vous avoue que on va retourner là où on était, on va remonter tranquillement, mais avant tout, je me souviens plus exactement, attendez. Alors on peut faire des unstable core, donc on va se faire, il nous en faut 3 piles, donc on va s'en faire un, donc 1, 2, 3, on va se faire un bloc de diamant, donc ça va nous coûter tellement cher des unstable core, hop, hop, et, oups, oula, pas de oui, donc il nous faut 3 pierres de l'end, et 3 netherracks. J'ai vu qu'il fallait autre chose. 2 de stone. Alors, nous allons ici. Et les 2 de stone, c'était là. Les 3 de laine, c'était en haut. Le bloc de diamant, c'était ici. Et là, c'est là. Nous avons notre unstable core. Donc, avec une... Donc, ça, c'est gold coin. Ça sert à rien. Ça, c'est pour manipuler le temps. Ça me plaît. Il nous faut 2 diamants et du cuir. Bah, on va faire ça. Vous allez voir, c'est hyper réjouissif. 2 diamants et du cuir. Ça coûte cher. Mais c'est jouissif. Espérons que ça crache pas parce qu'il n'y a pas tous les objets que je veux. Donc, le cuir. Je sais pas combien il nous en faut. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il nous en faut 5. Voilà. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Attendez. Voilà, ça marche. Donc en gros, vous voyez, on peut faire ça à volonté. Donc nous avons notre bag of unstable air. Nous y retournons. Par contre, la chute, ça va faire mal. D'où l'utilité du seau. Ouais, c'est pour sauver. Oh, qu'est-ce que je m'amuse avec ça. Voilà. Donc, globalement, attention, on va tenter d'atterrir en douce. Alors, oui, parce que ça n'amortit pas les chutes. Donc du coup on retourne à notre magnifique surprise. On va prendre notre potion de speed 2 que j'ai préparée tout bien, tout frais là. Hop, et on y va! Et on se balade dans la nature. Donc oui, cet épisode vous l'avez réclamé, enfin au total 3 personnes l'ont réclamé parce que, enfin, l'ont réclamé, m'ont demandé de tourner au lieu de tourner du Saint-Raud parce que ça leur plaisait pas enfin que ça leur plaisait pas qu'il avait déjà vu ou que ça leur plaisait pas du LXN Journée parce que c'est pas tout le temps que il y a pas beaucoup de youtubeurs français qui ont enfin de youtubeurs français plus ou moins connus. Je dis pas que je suis connu là hein. Je veux juste dire de enfin je sais pas comment expliquer. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, je pense que vous comprenez le fond de mes pensées. Donc speed, il nous en reste pas beaucoup. J'aurais peut-être dû faire une speed avec la redstone là. J'ai mis la glowstone, donc speed level 2 pour 1 minute 30, ouais. On verra. Parce que oui, on peut pas faire les deux en même temps pour ceux qui se demandent les potions, ça marche pas comme ça, vous avez des trucs additionnels et voilà. Donc comment ça s'est passé vous, votre réveillon de enfin votre fin d'année 2013? Moi ça s'est très bien passé, je suis actuellement crevé, on est le 1er janvier et demain d'ailleurs avec Nicolas on va se voir et on va faire un petit truc qui pourrait vous plaire fortement. Enfin certains se sont plaints de la vidéo IRL que j'avais faite parce qu'on ne voyait pas beaucoup. Je comprends complètement ceci. Putain c'est encore loin. Je comprends complètement votre avis à ce sujet, mais comment dire j'aurais dû peut-être faire un time manipulator, comme ça il ferait pas nuit. Je vais juste y penser. C'est quoi ça?
Un ours noir. Très mal fait. Tu veux mourir? Croyais qu'il va me donner du cuir. Il m'a donné scrap meat. Et du smo. Un petit cœur, hein. Ça devait être un tout petit. Ah, c'est génial ce truc. Ouais, escalader. En allant sur les arbres. On va y aller comme ça serait carrément plus simple. On peut mourir, hein. Oh, regardez, il y a un truc ici. Ah oui, c'est là. Il me semble que c'était là quand c'est la sortie du donjon derrière. Oh! À autre village, bon, on ira plus tard. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est essayer de trouver l'end à votre compagnie avec mes 13 dernières perles restantes. Voilà. Faut bien le maîtriser ce truc, mais c'est tout simplement énorme. Quand j'ai fait du recherche sur ce mode parce qu'il me trouve que je trouvais bizarre, j'ai découvert ça. Qu'est-ce qu'ils sont mal faits les animaux? Oh, mon Dieu! Même Mojang les fait mieux. Et là, c'est un mode pourri, c'est qui, je sais pas c'est qui l'a rajouté à ce mode pack, mais alors, sérieusement, on va falloir s'appliquer là. Hein. Parce que là, c'est pas gagné. Donc oui, certains se sont dit, enfin, m'ont demandé pourquoi il n'y a pas de Fangoria de ces derniers temps. Je vous l'ai dit, c'est un certain boulot quand même. C'est, ça demande une après-midi en général entière pour pouvoir en tourner un ou voire deux épisodes. Donc et la team n'est pas souvent là au complet, surtout que Lotario en ce moment a des petits soucis avec son PC. Il est pas sûr de la récupérer très prochainement, alors essayons de respecter ça. Donc là, il y a des échelles. Va aller le plus haut possible. Ce sera carrément plus simple. C'est génial ce truc. Vous avez vu les nuages, c'est pas des vrais nuages. Ok, il y a encore des mobs, on y va. Putain, j'ai des lags. Oh putain, Spider Jockey. Tiens. Je serais curieux de voir les dégâts de l'arc. Tiens. 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 Une pioche. Ouais, ça m'intéresse pas. Ce que j'ai envie de faire, c'est grimper, moi. Spider poison. Putain. Un creeper que j'aime pas. Ah la vache. Je lag. Je lag. Qu'il me fallait. Alors. Putain, c'est vrai qu'ils font pas de trous. Oh, vous avez eu les coups qu'on leur met? L'Under Dragon ne tiendra jamais. Hein. Oh putain. Je suis désolé pour vos yeux. Allez, viens, tombe. Ça, on est invasif. Oh putain! Il m'a fait mal. Oh non. Et on va remourir. On va remourir. Je suis pas pris ma potion de heal en main. Il m'a enlevé mon arc. Non, pas cet arc. Tu me l'enlèveras pas, celui-là. Voilà.
Alors, potion de heal. On la garde en main. Ok, c'est pas ici que je voulais aller. Excusez-moi. Au revoir. Je vous souhaite une bonne année. Voilà. Alors. Chaud patate. Ah ouais, j'ai perdu du stuff. Heureusement que j'en ai pris de rechange. What? Oh la vache. Bloc d'or. Ok, on prend tout comme si on ne m'avait pas repéré. On prend tout comme si nous ne m'avions pas repéré. On prend. Alors. Ça. Y a rien ici. Ah, on peut monter. Vous inquiétez pas, j'ai pris du stuff, mais c'est spécial pour Under Dragon, je l'ai pas vraiment préparé. Smite, smite, longbow, ouais. Ça me plaît. Upshot, on prend. Ça nous en fait un second. Firestaff, on prend. Ça, y a pas à dire. Golden, hop, hop, hop. On prend pas le reste. Qu'est-ce que je vais jeter? Qu'est-ce que je vais déjeter? Je vais mettre le Upshot. Je vais mettre ça là. Je vais... La potion de poison, je vais la foutre là. J'en ai une là. On va la foutre là. Ça, on va foutre ça là. Regardez les pommes. Ça, on fout là. Ça, on fout là. Ça, on fout là. Voilà, on a notre précieux. Ouh là là, comment il y a des lags? Attendez, en fait je pense savoir c'est quoi, c'est le Hamachi qui clignote juste en bas. Voilà. Parce que oui, on avec Eldar, on se contacte par Skype et tout. Enfin par Hamachi. Et c'est plus simple. Ice Grenade. Golden Boot, ça reste ici. Par contre, tout ça, on prend. Alors, les ressources que l'on a, c'est... complètement déconné, on va le tester plus tard ça. Donc là on peut dégager. Oui, attendez. On prend ça parce que c'est comme du Banofa 3.5 et on dégage. Alors. Revenons à nos moutons. On va pas tomber de si haut, c'est moi qui vous le dis, parce que j'avais envie de vous le dire. On va pas tomber, j'espère pas. Dans l'eau. Ok. Bonjour. Alors, un petit camp. Alors. Ouais, y a rien d'intéressant, quoi. Vous êtes pas marrant, vous, hein? J'ai pas envie de m'occuper du village maintenant, alors. Ça. Ces bouquins qui me saoulent. Putain, il se dirige vers là-bas et j'en ai perdu une. Ouais. Ah! Allez, retomber. Ouh putain, il y a des lacs, c'est juste affreux. Affreux. Ah, attendez. Voilà. Un autre grand arbre. Encore un camp? What? J'ai pris des dégâts, je crois. Ah, j'ai eu un lag. Bon allez, venez. J'en ai marre de parler avec vous, bande d'imbéciles. Alors, toi, t'es plus intelligent qu'on connaisse. Ouais, non. Juste le bois, par contre, ça me plaît. Allez, dégage. Alors, c'est vers là. Oh putain, la vache, c'est loin. Oh putain, elle a cassé. Ouh, c'est une plaine. Énorme lag.
Encore un camp. Putain, on est loin, on commence à s'éloigner de la maison. Encore un camp, mais qu'on va... Oh, regardez là-bas. Encore un... Putain, il y a des camps de partout ici. On va pas tous les taper, même si ça vaut le coup. Il y a des totems, on va pas tous les taper en vidéo. Enfin, pas tous les taper maintenant en tout cas. Moi, après, je suis d'accord, hein. Il suffit de me demander, on se les fait. Moi, l'action, j'en veux bien. Ça. J'ai envoyé une truc... Ah, yes! On n'est pas loin. Ça veut dire qu'on se rapproche du camp. S'il retombe. Ah ben. Bah t'es où? Ah, j'ai dû la récupérer. C'est vers là-bas. Putain, et pourquoi je lag? Ah, c'est parce que je dois découvrir de nouveaux biomes. Oh. Elle est où? What? Mais vous allez vous calmer vous? Vous avez demandé quelque chose? Non, merci. Alors vous dégagez. C'est dans le sol ici. On va tenter d'aller voir. On va creuser en mode... Voilà quoi, vous avez compris ce que je vous ai dit. Et avec clic droit en faisant... Regardez. Attendez. Regardez. Oh, je pouvais pas, chez moi je pouvais, avec clic droit on pouvait foutre la cobblestone. Oh, j'ai entendu des silverfish. On a trouvé le portail. Ça c'est génial. Par contre, ça vous me permettrez. Merci. Il nous faut les yeux maintenant. Aïe aïe aïe, on n'en aura pas assez. Oh, il nous en manque un. Et on n'a pas notre pouvoir de Blaze. C'est dégueulasse. Putain la merde alors. Alors on met Stronghold. Bon écoutez, on va faire un échange. Ce que je vais faire, c'est que je vais me giver une truc comme ça. Et en échange. Je vais jeter. J'ai quoi dans mon sac? Le l'Arc Power 2. Voilà, j'ai fait un échange, je suis désolé, mais enfin, je pense que vous êtes pareil que moi. Vous voulez aller voir cet Ender Dragon, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Je suis désolé, franchement. Mais voilà. C'est le moment. Ouh. On y va. Alors, je crains le pire. Je crains le pire, honnêtement. Je crains le pire du pire du pire. C'est un long épisode pour un épisode 13, n'est-ce pas? Oh my gosh. J'ai oublié de prendre une boule de neige. Oh, il y a des Endermans bizarres. Ah, pas de cul. Merde. Oh putain. Oh, c'est bordel ici. Oh mon dieu. Je savais pas que ça allait être autant en score. Hein. C'est quoi ça? What the fuck? Et quand j'ai dit qu'il devait être hardcore, je m'attendais pas à ça, je vous avoue. Merde. Putain. Bon, bref. On a vu à quoi ressemblait cet Under Dragon. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je pense que je vais enchanter un plastron parce qu'il m'en manque un. On va aller l'affronter futurement dans le prochain épisode. Ça va être hardcore, je ne le cache pas. Je pense que ça va être très dur, qu'il nous faudra un bon équipement. Mais on a une chance à mon avis. Protection 3, bon bah on fait avec.
Voilà, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez à laisser un pouce vert. Enfin, tout tralala, vous connaissez. Pensez à aller regarder le nouveau Let's Play sur Saro 4. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, si c'est le cas, pensez à aller visionner. Merci, à plus. C'était Chronos, la force du fruit. Sérieux. Mais attendez. On va faire ce que je n'ai jamais fait depuis longtemps. Se mettre sur le toit. Nous allons là où personne n'aurait osé aller. Là, au-dessus de ma maison. En plus, il y a une tombe. Ah, c'est juste pour la tombe, en fait, au départ. Allez, je vous dis à plus.